c'est d'être consumé, c'est d'être relevé, c'est d'être libéré, c'est d'être franchi, c'est d'être déployé, c'est d'être propulsé, c'est d'être redressé, c'est d'être éveillé, c'est d'être consumé, c'est d'être embrasé, c'est d'être retiré, c'est d'être déployé, c'est d'être libéré, c'est d'être restauré, c'est d'être étiré. C'est de recouvrer la vue, c'est de retrouver la vision, c'est de retrouver le zèle, c'est de ranimer le feu, c'est de réveiller la force, c'est de réveiller l'option, c'est de réveiller le dépôt. Il faut que tu fasses, que tu pleuves sur moi, des fleuves de paix, une pluie de feu, une pluie de feu. Une pluie de feu, une pluie de feu, oh Jésus, une pluie de feu, à tes paix, une pluie de feu, 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 c'est mon désir. D'être consumé, de le tuer, qu'ainsi je sois. Aïe, 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 alors élève la voix comme un désespéré. Élève la voix comme une désespérée. Élève la voix comme une personne qui n'a pas d'autres options que lui. Élève la voix comme une personne déterminée. Élève la voix comme une personne assoiffée. Élève la voix comme une personne embrasée. Élève la voix comme une personne qui n'en a rien à faire de son voisin. Élève la voix et dis à Dieu, cette fois-ci, c'est toi que je désire. C'est toi que je réclame. C'est ton feu, c'est ta présence, c'est ton atterrissage, c'est ton arrivage, c'est ta plénitude, c'est ton dépôt, c'est ta réquisition, c'est ta guérison, c'est ta liberté, c'est ta vitalité. Je te prie, je te prie, je te prie, je te prie. Une seule chose est nécessaire. Ce soir, je réclame le nécessaire. Je sais que le mariage est important, mais je réclame le nécessaire. Je sais que le travail est important, mais je réclame le nécessaire. Le nécessaire, c'est Christ. Le nécessaire, c'est toi, c'est ton feu, c'est toi. Parle, élève la voix. Je ne sais pas m'exprimer, je ne sais pas comment j'articule, mais je te prie, mais je te prie, mon désir. Il est avalé des mamans, élève la voix, élève la voix, élève la voix, les mamans, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix.
Father, we tonight, Lord, tonight, nous reconnaissons que nous avons plusieurs besoins, c'est vrai. Certains, c'est la guérison, d'autres, c'est la délivrance, la libération, une percée, une visitation, un soulagement. Mais ce soir, nous allons focaliser notre attention. Nous allons faire ce soir comme Obed-Edom. Obed-Edom n'a pas beaucoup prié. Il a juste accueilli l'arche de Dieu dans sa maison. Et quand l'arche est venue dans la maison, l'arche est venue avec puissance. L'arche est venue avec splendeur. L'arche est venue avec beauté. L'arche est venue avec gloire. Lorsque l'arche de l'Éternel, qui symbolisait la manifeste présence de Dieu, est arrivée, en réalité tout le reste est arrivé. Ce soir, nous n'allons pas demander une guérison, une libération, même si tu sais que c'est un besoin. Ce soir, nous allons zoomer uniquement sur le plus grand besoin de ma vie. Je ne sais pas comment l'exprimer, comment le formuler. Mais Père, ce soir, je veux te dire que mon premier désir, c'est toi. Il y a trop de situations dans ma vie. Si tu viens pour guérir, le problème c'est qu'en dehors de la guérison, il y a des blocages dans d'autres domaines. Alors je ne te demande pas la guérison ce soir. Je te demande, comme tu es arrivé dans la maison d'Obed-Edom, que tu arrives dans ma vie. Il y en a assez, pas pour faire une chose. Viens seulement t'installer, viens seulement t'asseoir, viens seulement te positionner, viens seulement régner, viens seulement commander, viens seulement gouverner, viens seulement remplir, viens seulement saturer, viens seulement inonder mon désir. Ce soir tu es, oh viens seulement, c'est toi, viens, ne viens pas pour guérir, viens seulement, ne viens pas pour me libérer d'un démon, viens seulement, oh viens, viens seulement. Viens seulement. Et toi tu dis viens seulement, je te prie. Viens seulement, vous dites viens. Je dis ce qui n'est pas de toi, comme chez Obed-Edom, comme dans la prison où était Paul et Silas. Viens seulement, viens maintenant, viens réaliser, viens ce soir, viens seulement, viens, avec le bruit comme à la Pentecôte, ne viens pas ainsi.
silence. Viens avec fracas. Viens de manière remarquée. Viens de manière majestueuse. Viens seulement. Qu'on sache que tu es venu dans ma vie. Que ma famille constate que tu es venu. Que les maladies constatent que tu es venu. Que la sorcellerie constate que tu es venu. Que les esprits de rejet constatent que tu es venu. Que les esprits d'échec constatent que tu es venu. Que les esprits d'infirmité constatent que tu es venu. Viens seulement. Oh, je te prie, je ne sais plus prier, je ne sais pas comment dire les choses, mais viens seulement dans mon foyer, dans ma santé, viens seulement. Viens seulement toi-même, viens seulement. Ah, viens seulement. Là on a dit qu'il y avait la mort. Je ne demande même pas la guérison, non. J'ai dit viens seulement, esprit de vie. Là on avait dit que ma vie était bloquée. Viens seulement. Viens seulement. Venez vos mains. Viens seulement, viens seulement. Tu ne peux pas venir et être en silence. Tu ne peux pas venir et ne pas juger. Tu ne peux pas venir et ne pas libérer la parole. Tu ne peux pas venir et ne pas ouvrir les portes. Tu ne peux pas venir et ne pas guérir. Mais viens seulement. Viens seulement dans ma vie. Ah. Je n'ai pas un autre sujet de prière ce soir. Non, non, non. Mais je vais tenir une vérité qu'il est en train de me dire. Il me dit, premièrement, je suis saint. Deuxièmement, je suis un Dieu d'ordre. Je ne peux pas arriver quelque part. Quand tu m'invites, tu me provoques. Je ne peux pas venir, je vois le désordre et je le croise dépasser, impossible. Tu ne peux pas demander à un policier d'aller quelque part, de voir des bandits et puis monsieur le policier ne dit rien. L'instinct policier, la nature policière va toujours prendre le dessus. Je suis saint, tu ne peux pas me demander. Là où je vois la souillure, je vais la consumer. Là, quand je viens, là où je vois la tiédeur, je vais l'embraser. Il me dit, même si tu me dis de ne rien faire, là où je vois la soif, je vais remplir le vase. Je ne peux pas venir dans la prison. Je ne peux pas venir là où est Paul et Silas et laisser les portes des prisons fermées. Si je viens, quand je viens, ma rétribution vient avec moi. Ma parole vient avec moi. Mes jugements viennent avec moi. Mes sentences viennent avec moi. Mes décrets viennent avec moi. Les ordres viennent avec moi. Oh, viens, viens. Oh, viens, viens. Viens, viens. Je demande que tu viennes. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ma vie que tu dois enlever. Mais je ne me focalise pas sur mes besoins ce soir. Viens seulement commander, viens seulement régner, viens pas.
voix. Ce que tu n'as pas planté, je sais que tu vas le déraciner. Viens seulement, que l'on soit retombé. Viens prendre le pouvoir de ma vie. Fais ce que tu veux, mais ce soir, je ne suis pas sur le besoin, non, mes yeux sont sur toi, mes yeux sont sur toi, la confiance est en toi, je m'attends à toi, viens t'asseoir, viens prendre le pouvoir, viens commander, viens régner. Viens gouverner, viens diriger ma vie, viens marcher devant moi, viens m'environner, oh, viens m'entourer, viens saisir mon âme. Et cette main de la culpabilité, de la dépression, du rejet, enlève-la. Sois le seul à mettre ta main sur ma vie. Le seul à fiancer mon âme. Que la main de l'impudicité soit ôtée. La main de la masturbation ôtée. La main de la peur ôtée. La main de l'esprit de sorcellerie ôtée. Viens mettre ta main. Maintenant. Viens mettre ta main. Oh viens, viens. Élève, je ne sais pas pour toi, je ne sais pas pour toi, mais ton voisin, moi, on a envie de lever la voix, on a envie de lever la voix, dire Seigneur, moi ce soir je n'ai pas de demande, je n'ai pas de prière, ma seule prière c'est viens, ma seule, est-ce que quelqu'un a envie de lever la voix, de parler comme, parle comme j'ai envie de parler, mais il faut que ça se résume, viens seulement toi-même, viens seulement. Je n'ai pas idée de ce qu'il y a. Je n'ai pas idée de l'état des lieux. Je n'ai pas idée de, je n'ai pas de diagnostic du niveau de dommage, du niveau de dégâts. Mais viens seulement, assieds-toi. Même si tu ne fais rien, assieds-toi. Mais je sais que tu ne feras pas rien. Je sais que tu as compassion. Je sais que tu es bon. Je sais que tu es miséricordieux. Je sais que tu es juste. Je sais que tu entends. Je sais que tu réponds. Mais viens seulement, viens, viens. Elle est. Élève la voix et dis viens, viens, élève, 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 élève. Ah, 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 allez, 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 allez,
rosa. Oh, je te prie, viens, ah, viens. Oh, prends seulement le pouvoir. Saisis mon âme, saisis mon âme, embrasse mon âme, consume mon cœur, viens t'installer, viens résider, viens habiter. J'ai fait le ménage pour te recevoir. Je renonce au péché, je renonce à mal parler, je renonce au péché volontaire. Mais là où il y a un péché qui me tenait, ça veut dire qu'il y a un démon qui tenait. Je renonce à ce démon. Je ne sais pas comment le chasser. Je l'ai chassé, il ne partait pas. Mais je change de prière. Comme un bénido, comme Paul dans la prison. Peut-être qu'avant, peut-être que Paul et Silas disaient, peut-être qu'ils disaient au chef de la prison, mais laisse-nous sortir de prison, alors. Laisse-nous sortir, laisse-nous sortir. Nous sommes innocents, nous n'avons rien fait. Laisse-nous sortir. Et peut-être que le chef de la prison disait, vous ne sortirez pas, vous n'avez pas le droit de sortir, vous ne sortez pas d'ici. Peut-être qu'au début, il a demandé quand même la clémence. Je dois annoncer l'évangile, ne m'enfermez pas en prison. Et peut-être qu'ils ont dit, non, tu ne sors pas de prison. Se souvenez de cette parole. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient. Il me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Voici le sommet du don. Celui qui garde Israël. Alors ils ont cessé de demander au chef de la prison d'ouvrir. Ils ont dit à Dieu, viens seulement. Le chef de la prison a dit, tu ne sors pas. Mais Seigneur, viens seulement. Dans cette prison. Dans cette prison. Seigneur, viens seulement. Dans ce vase de terre. Que je représente, viens dans ma vie. Ils ne veulent pas me laisser aller, ils ne veulent pas céder. Mais comme en bénido, Seigneur, je t'invite, Seigneur, je t'implore. Ils ne veulent pas lâcher. Et Seigneur, viens seulement. Avec un bruit et fracas. Comme un feu des moments. Assieds-toi dans ta vie. Viens prendre le pouvoir. Viens commander. Seigneur, viens gouverner.
Genèse à Apocalypse, les plus grandes délivrances n'ont jamais eu lieu lorsque le peuple s'acharnait contre ses ennemis. Les plus grandes délivrances ont eu lieu lorsque le peuple s'acharnait pour implorer Dieu de venir dans le combat, de s'immiscer dans la situation. Ils avaient compris depuis l'Ancien Testament que ce n'est pas le cheval qui assure la délivrance, ni le nombre de soldats qui garantit la victoire au combat. Voilà pourquoi chaque fois qu'ils allaient au combat, ils allaient implorer l'arche de Dieu. Ils disaient, les Philistins veulent nous attaquer, on doit aller combattre les Philistins. Mais est-ce que tu peux venir d'abord? Tant que l'arche ne sortait pas, Israël ne sortait pas. Tant que l'arche n'allait pas, Israël n'allait pas. Dans le désert avec Moïse, tant que le Seigneur ne se levait pas au-dessus de la tente d'assignation, la nuit c'était un feu dévorant, la journée c'était une colonne de nuée. Tant que Israël ne voyait pas la colonne se lever, la Bible dit que dans le camp, personne ne partait. Qu'il fasse 40 degrés, personne ne bougeait. Les ennemis les menacent, personne ne bougeait. Tant que l'arche, tant que la présence, tant que la gloire ne se levait pas, personne ne bougeait. Et ils avaient compris un secret. Que la clé de la victoire, ce n'est pas combien de fois tu répètes et tu proclames et tu proclames. La clé de la victoire, c'est tout nettoyer. Mets de l'ordre dans ta vie et tu y viens seulement. Mets de l'ordre dans ton âme. Renonce, demande pardon, honore, humilie-toi, décide d'obéir et tu y viens seulement. Je fais la place, je nettoie afin que toi tu viennes. Viens seulement. Viens seulement. Parce que tant que tu n'es pas venu, je vais combattre avec mes efforts. Ce seront les paroles de mon âme. Ce seront les âmes de la chair. Ce sera les discussions et les querelles, les argumentations et les débats. Ça sera la force de persuasion humaine. Je te prie, ce soir, viens seulement. Ce soir, nous ne te demandons pas, nous ne te demandons rien d'autre. Ce soir, viens seulement. Prends le commandement de ces phases de terre, de cette maison spirituelle. Viens seulement. Ne viens pas occuper une petite chaise, non. Ne viens pas prendre une petite place, non. Viens au commandement. Nous sommes les sacrifices vivants. Viens seulement. Viens. Assieds-toi dans mon âme, assieds-toi dans mon corps, assieds-toi dans mon travail et dans mon ministère. Là où il n'y avait pas beaucoup de fruits, là où l'ennemi s'acharnait, oh c'est toi que nous implorons, oh magnifique Esprit de Dieu. Cher Esprit de Jésus, oh viens seulement. Nous levons les mains et nous disons viens, 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 ah viens, 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 oh viens, viens, oh. Viens prendre le pouvoir, viens prendre le commandement.
pas seulement pour guérir, non. Ne viens pas seulement pour sauver, non. Viens prendre le pouvoir. Viens prendre le commandement. Viens prendre toute la place. Viens occuper tout l'espace. Viens prendre le commande de ton église. Viens prendre le commandement de ses vies. Viens prendre le commandement de cette famille. Cette semaine, viens, viens, crois, crois, prends le pouvoir, prends le pouvoir. Ce soir, nous te livrons le cœur, prends le pouvoir. Ne viens pas seulement faire le bien. Non. Viens prendre le pouvoir. Parce que s'il fait le bien mais qu'il ne prend pas le pouvoir, le mal se lèvera demain. Et un autre mal se lèvera. Mais s'il prend le pouvoir, alors il domine. Alors il assujettit. Alors il mate la rébellion. Alors il oblige l'ennemi, quel qu'il soit, quel que soit le domaine. Non, ne viens pas seulement me faire le bien. Non, non, non. Ne viens pas seulement me faire du bien. Viens prendre le pouvoir. Viens asseoir ta volonté au ciel comme sur la terre. Selon le modèle céleste, ce qui est fait au ciel soit fait dans ma vie. Ce qui est fait au ciel soit fait dans l'église. Selon le même modèle. Viens asseoir le modèle céleste. Viens asseoir la vision céleste. Viens asseoir la parole céleste. Viens, viens. Ah, yada mama. Ros, parade, kama. L'écho, satané, mama, la bosse. Prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir. Ça veut dire que ce soir, nous te livrons nos cœurs. Assieds-toi et l'emprise totale. Toi seul et personne. Sur notre esprit, sur notre âme, sur notre corps, sur notre vie, sur notre témoignage, sur tout ce qui est nôtre, qui nous caractérise. À prendre le pouvoir. Ah, cette semaine, viens, cette semaine, comme jamais auparavant, viens. Nous voulons te dire, je ne sais pas pour tout le monde, mais je sais que nous sommes une poignée au moins ici, au moins deux ou trois, à penser ces paroles et à dire, Père, tu l'as fait sur Obed-Edom. Comme tu l'as fait dans la prison où était Paul et Silas. Ce qui te donne le pouvoir, viens le prendre. Et viens accomplir ta politique. Manifester ton programme.
manifester ce que tu as annoncé d'avance. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite en nous. Qu'elle soit faite dans l'église. Qu'elle soit faite sur la France. Qu'elle soit faite sur la terre. Selon le modèle céleste. Pas selon les prophéties négatives des parents ou des professeurs ou des hommes et des femmes. Mais viens faire selon le modèle d'en haut. Afin que nos vies soient le reflet de la vie que tu avais prévue pour nous avant la fondation du monde. Viens, nous te prions. Nous te recevons. Et nous croyons qu'alors que nous t'avons invité avec des cœurs sincères, nous croyons que tu as répondu et que tu t'es installé. Et si tu étais déjà présent, tu as pris encore davantage d'espace. Parce qu'il y a toujours un espace davantage, un espace supplémentaire à occuper dans mes pensées, dans mon âme, dans mes sentiments, mes émotions, mes fréquentations, mes relations, mes associations, mes décisions. Viens occuper l'espace et impose ton commandement. Alors, en sortant d'ici, tu pourras dire à tes ennemis que Dieu, par son esprit, a pris le commandement des affaires. Et quand Dieu s'est mis dans les affaires des hommes, ça va barder, ça va chauffer. Ah, barder, et pas ça. Les beaux, ça va barder, pas ça. Mais les pas ça, barder, et pas ça. Jacques, voilà. Dans la Bible, lorsque Israël est allé combattre les Philistins, il n'avait pas l'arche de Dieu. Et lorsque les Philistins ont appris que l'arche de Dieu était dans la place, les Philistins ont commencé à dire, oh non, le combat n'est plus juste, le combat n'est plus équitable, parce que Dieu était rentré dans la partie. Et tu sais, attends. Et lorsque Dieu entrait dans la partie, tu sais ce qui se passait? Lorsque l'arche arrivait, Israël commençait déjà à acclamer. Et les ennemis, attends. Je vais t'expliquer. Les ennemis ne comprenaient pas. Parce que eux aussi ils avaient des idoles, eux aussi ils avaient des statues, eux aussi ils avaient des bouts de bois. Et ils voient des lévites, des sacrificateurs transporter juste sur leur épaule une espèce de bois avec quelque chose à l'intérieur. Ils disaient, mais ça c'est quoi? Ce n'est rien du tout, ça ne veut rien dire. Tandis que Israël disait, hurrah, hurrah, hurrah. Ils ne savaient pas, ce n'était qu'une question de temps. 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 J'acclame pour ma vie. Il est dans la place. Il est dans la place. Il est dans la place. Lorsqu'il était dans la place, le premier réflexe du peuple, c'était d'abord l'acclamation. Ça voulait dire qu'il célébrait la victoire avant la manifestation de la victoire. Y a-t-il une personne qui a envie d'acclamer?
Ce que je ne savais pas avant le week-end dernier, je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait quand on acclamait. Je savais qu'il y avait des anges. Je savais qu'il y avait le feu. Attends. Je savais tout ça. Mais soudainement, je me souviens que ce que nous venons de faire, c'est une prière. Et avec une telle ferveur, avec une telle cri. Attends. Le cri même que tu viens de faire, c'est une prière aussi. Attends. Mais ce que je n'avais pas compris avant ce week-end, c'est qu'à travers ce genre d'atmosphère, non seulement il y a un feu, non seulement il y a une forte présence, mais je ne voyais pas le nombre de percutes et de crochets qui allaient dans la tête. Tu n'as aucune idée du nombre d'esprits méchants qui ont dit non hier, qui cette semaine, dans ces 5 jours, vont s'écarter, passer. Déjà acquis, mais nous accueillons.
le commandement du Saint-Esprit sur ta vie, sur l'Église, sur le pays, sur la région. Merci. Merci. Nous avons célébré. Nous t'avons reconnu. Nous t'avons accueilli. Maintenant, nous savons que ça va chauffer. Cette semaine, nous ne nous posons plus de questions d'angoisse, d'inquiétude. Parce que l'heure de la victoire manifeste a sonné. Conduis-nous jour après jour. Accomplis tes desseins. Selon le modèle, nous ne voulons pas une volonté humaine. Que ce qui va se passer soit la parfaite réplique de la beauté, de la splendeur, de la gloire dans le ciel, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles. Viens. Merci. Merci. Aucune parole libérée ne puisse être autel, ne restera sans effet. Quand nous rentrons à la maison, le Seigneur continue de travailler et il a pris le pouvoir. Ce combat n'est plus à toi. Ce combat appartient au Seigneur lui-même. Priant que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père, que la communion du Saint-Esprit demeure notre partage. Nous te rendons toute la gloire. Merci de nous avoir portés, transportés, conduits, inspirés, propulsés. Merci. Tu sais que nous ne savons rien faire. Nous ne savons pas comment prier. Mais gloire te soit rendue, Père, de ce que ton Esprit Saint nous assiste et nous accompagne et nous fait prier par des soupirs inexprimables. À personne d'autre dès lors qu'à toi soit notre louange, notre gratitude, honneur, louange, gloire, sagesse, force, action de grâce. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Excellente soirée à chacun d'entre nous. Aidez-nous à accompagner les bien-aimés, les frères et les sœurs à la carte. On se retrouve demain. Restons dans une attitude de prière. Et sois conscient, soyons confiants dans ce que quelque chose va se passer. Déjà cette semaine, cette saison, cette année ne peut pas être une année de confusion. Essuie tes larmes, tu ne pleurniches plus, tu ne t'apitoies plus. Tu ne relâches pas. C'est maintenant, c'est cette saison. Tu ne la rateras pas au nom de Jésus. Excellente semaine, excellente soirée. Cette bonne nuit. Que Dieu vous bénisse.